Va, Jess, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi, et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres plantent tout droit. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Juste conquérant, le monde t'attend, fier et combattant. Tu défies les méchants. Juste conquérant, le monde t'attend. Tu dois sauver ton temps et l'univers. Juste conquérant, le monde t'attend. Fier et combattant. Tu défies les méchants. Juste conquérant, le monde t'attend. Tu dois sauver ton temps et l'univers. Rattrapez-le et rapportez-moi cette racine. Elle seule représente un danger pour nous. Sortez les réacteurs. Arrachez-lui la racine qu'il porte autour du cou. Gillian, les plantes grimpent de plus en plus sur le mur de lumière. C'est le soleil qui les fait pousser. Elles envahissent le mur et il ne résistera pas longtemps. Il faut que tu te dépêches avec ces engins. Quand mon père viendra nous chercher, il faudra que nous soyons prêts. Nous devrons peut-être partir avant, Jace. Non. Flora, il n'y a aucun signe de mon père? Si je l'avais vu, je te l'aurais dit. D'accord, d'accord. J'ai pas voulu être désagréable. Mais j'aimerais bien que Jace ne me prenne pas pour une sotte. Oun, c'est Oun, il arrive. Oun arrive, je le sens. Et mon père est certainement avec lui. Je te l'avais dit, Gillian. Non, je ne sens pas Audric. Tu dois te tromper, Flora. Oun n'abandonnerait jamais son maître, j'en suis sûre. Il faut que mon père arrive. Enfin, j'espère que Jace est là. Enfin, te voilà. Oh, maître Jace, comme je suis content de vous revoir. Mais dis-moi où est mon père. Je vais tout vous raconter. Mais avant, j'aimerais bien que vous me recolliez les morceaux, si c'est possible. Fouillez les alentours. S'il n'est pas ici, c'est qu'il est à l'intérieur. Ce fut terrible. Ah, mais par où commencer? Boum! Crash! Boum! Ils ont enfoncé les murs. Mais avant qu'il n'y arrive, votre père avait essayé de... Fais-nous grâce de tes descriptions et va à l'essentiel. Mon maître, votre père a essayé de créer une plante qui aurait supprimé à jamais la famine. Il tenta ses expériences loin d'ici, dans une autre galaxie.
Un, il faut absolument fuir au plus vite. Les monstres aux plantes sont impitoyables. Leur maître, qu'ils surnomment Discord, a pris possession de mon laboratoire. Plante capable de détruire les végétaux malfaisants. Il m'a dit, va, porte cette racine à James. Il saura comment l'utiliser. C'est lui ton maître désormais. Serre-le loyalement. Tu dois retrouver ton père, car la racine qu'il possède doit être unie à celle-ci pour être efficace. Ainsi, le sort de l'univers dépend de moi et de ceci. Mais comment dois-je faire? Viens. Il y a des siècles de cela, une poignée de héros nous conduisit à la victoire alors que nous étions désespérés. On les appelait la Force Lumière. Leur chef portait cet anneau. Il est temps désormais de sauver l'avenir par cette science qui nous vient de la nuit des temps. La Force Lumière existe à nouveau et toi, Jace, fils d'Audric, tu en es le chef. Moi, porter cet anneau de la Force Lumière ? Son pouvoir est immense, mais il ne t'obéira que si ton cœur et tes intentions sont pures. Gillian, il étincelle. Maintenant, je comprends son langage. Il me dit que je peux vous guider. Où que tu sois, père, je te retrouverai. Rien ne m'arrêtera. Merci, Oun. Si seulement cette lance était vraiment magique... Qu'est-ce que j'entends? Comment oses-tu dire ça? Allons, ce n'est pas le moment de se disputer. L'heure est grave. Tu as raison, Jace. Excuse-moi, Oun. Il devrait être là. Nous avons perdu sa trace. Imbécile, il doit bien se trouver quelque part. Soldats, fouillez ce secteur. Oui, Discord, à tes ordres. Oui, oui... Oui! Arrêtez! Il doit être là! Trouvez cette racine et détruisez-la! Détruisez tout ce que vous trouverez! À désordre, Discord! Il y a encore autre chose, Jace. J'ai construit cet engin que je destinais à ton père. Je l'ai appelé Forcer. Il est à toi désormais. Tu apprendras à t'en servir. À moi? C'est vrai? Forcer est à moi? Chercher la racine. Jamais ils ne l'auront. Avec Forcer, ils vont déguerpir. Je vais leur donner une leçon, moi aussi. Vas-y, Jace, vas-y. Nous les vaincrons, n'est-ce pas? Bien sûr que nous les vaincrons. Montre-moi comment fonctionne le laser. Aucune des armes n'est encore terminée, Jace. Oh non! Alors il faut admettre que nous sommes perdus. Avec ou sans laser, je vous promets qu'ils ne nous auront pas sans combattre. Jace... Il est sage de n'engager le combat que lorsque cela est indispensable. Mais nous devons les arrêter. Regarde. Non, non! Reculez! Reculez!
qu'aucun esprit malfaisant ne peut franchir notre mur de lumière. Mais les plantes l'ont envahi et nous cachent le soleil. Le mur va s'affaiblir bientôt, il disparaîtra. Gillian, tu peux construire ou réparer n'importe quoi. Tu connais aussi la magie. Il faut trouver un moyen de nous faire sortir d'ici pour que je puisse retrouver mon père. Pour que nous puissions retrouver ton père. Il nous faut un vaisseau spatial. Pourrais-tu nous en construire un? Nous avons trop peu de temps avant que le mur ne disparaisse. Mais attendez. Il va s'écraser sur le mur. Le mur n'arrête que le mal, Jess. Il laisse passer le bien. Ah, il ne manquait plus que ça. Tu es encore tombé en panne. Je suis absolument désolé d'avoir labouré vos plants de tomates, messieurs. Je ne peux hélas pas vous dédommager. Oh, ne vous en faites donc pas pour ça. Bien. Vous allez me prendre pour un fou, mais vous n'auriez pas par hasard une diode à siphon thermique? Bien sûr. Ah, merci. Eh bien, un de ces jours. Emmenez-nous avec vous. Bien sûr, petit, c'est mon boulot. Transporter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Merci. Allez, tout le monde à bord. Gillian, fais démarrer les engins. On paye d'abord et on monte après. Herc, le marin du cosmos, ne transporte pas n'importe qui gratuitement. De l'argent? Mais nous n'avons pas d'argent. Alors je suis désolé, petit. Pas d'argent, pas de transport. Accepteriez-vous de l'or? Ah ah, je suis Herc, le marin du cosmos, capitaine de l'orgueil du ciel, à votre entière disposition. Gillian, où avons-nous de l'or? C'est Gillian qui a construit cette base de combat pour nos engins. Attention à ce que vous faites! Tout va bien, Dieu merci. Ouf, j'ai eu très peur que tu ne sois blessée. Elle est vraiment bizarre, cette petite. Je ne suis pas bizarre. Gillian et Audric m'ont fait naître à partir d'une plante. Je comprends parfaitement les animaux, les plantes et même les humains. Quelquefois. Excusez-moi. Monsieur, votre or est à bord. Est-ce suffisant, monsieur le marin du cosmos? Alors là, je vous en prie, appelez-moi Herc. D'où vient tout cet or? C'est du plomb. Dans peu de temps, l'or disparaîtra, ne laissant apparaître que le plomb. J'ai dû travailler très vite. Mon vieux poste de contrôle n'était pas aussi compliqué que celui-là. Votre sol est plus mou que de la mie de pain et au lieu de décoller, nous nous enfonçons. Le seul terrain ferme se trouve à l'extérieur du mur. Il va bientôt disparaître. Le soleil baisse de plus en plus. Ça y est, je suis sous le vent. Alors attention, cramponnez-vous, on se dirige vers la terre ferme. Réussi, ça y est. Allons-y maintenant, Herc. Décollons. Arrêtez le vaisseau et trouvez-moi cette racine. Il faut y aller, Hoon. Il faut les retenir. Jace, avec le transmetteur que tu portes au poignet, tu peux diriger les engins à la voix. Très bien. Force air,
Allons-y. Ici Forcer, bien reçu. Regarde, Flora. Jace les fait reculer. Vas-y, Forcer, vas-y, fonce! J'ai besoin d'aide. Engin de la force lumière, sortez! Ordre reçu, Jace. À toi, dépistère! Décolle! Bien reçu. Descends! Maître! Nous avons réussi! Nous avons réussi! Oui, mais on est encore embourbé dans ce fossé. Vrillère, tu m'entends? Recule! Qu'est-ce qui se passe avec cette machine, dis-moi? Flora, merci. Maintenant, retourne à bord. Oun, va la chercher, ramène-la, c'est trop dangereux. Je dois continuer le combat tout seul. Moi, maître! Dépêche-toi! Dites-moi, ceci nous aiderait peut-être à décoller. Génial! Nous décollons! Cette fois, c'est la bonne. Non, attendez! Mon maître est resté à l'extérieur! Alors, tu veux aller le chercher? Absolument! Je le sauverai! Mais les portes sont fermées! Dépêche-toi, petit, embarque! Ces esprits gluants vont revenir! Trop tard, trop tard. Je te retrouverai, fils d'Audric. Je te détruirai, toi et cette maudite racine. Jamais tu ne connaîtras le repos. Je te poursuivrai, toi et ton père. Je te poursuivrai à jamais à travers tout l'univers. Pilotage automatique. Et maintenant, allons jeter un petit coup d'œil sur mon or. N'est-ce pas le plus joli spectacle de l'univers? Mais que se passe-t-il? Ce n'est que du plomb! Je suis désolé, mais j'ai un petit problème, sur. Ne vous inquiétez pas, vous serez payé. Oui, nous vous le promettons, Urk. Et ça, vous avez intérêt. Parce que je vais vous coller aux semelles jusqu'à ce que je récupère mon or. Et je ne vous lâcherai pas une seule seconde! Nous te retrouverons, père. Où que tu sois, nous sommes comme le rayon de lumière, rien ne peut nous arrêter. Car nous sommes la force lumière.
et nous détruirons à jamais les monstres aux plantes. C'est ce qu'on fait, le monde t'attend, fier et combattant.